Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediff sur le Note Sauberry. On rejoint nos petits Rainbow. La génération orange est déjà devenue adolescente, en tout cas concernant Copper que vous pouvez voir là. Si vous avez suivi la Cucu semaine YouTube, dernière. 3-3 agent 21, Ah bah ouais. boule agent 21, boule agent 21, cucu agent 21, cucu agent 21, mousse agent 21, mousse agent 21, kitty corne agent 21, kitty corne agent 21, boule agent 21, boule. Voilà, merci Anaïs pour ce flou de pseudo. Coucou De YouTube, pseudo. bonne année. J'ai mangé des raviolis ce soir. Et Ricardo avec ses raviolis, il s'en remet pas. Voilà. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Le bordel, c'est ça. Merci beaucoup BubbleTown pour ton abonnement. Oh là là. Et merci Linette pour l'abonnement pour Nani. Oh, le bordel. Merci beaucoup. Vous allez me déclencher le train avec vos conneries. Merci beaucoup, des gros bisous et smile et boule à vous. Merci beaucoup. Ce soir, c'est exactement, c'est ce soir. Merci beaucoup. Comme ça, Nani, tu pourras économiser ton prime pour le mois prochain. Ah, mais il y a trop de gens gentils ici. Salut, bébé teinte, comment tu vas? Bon, alors. On va jouer un petit peu, parce que vous êtes... Sinon, voilà, il s'est déjà passé 1 minute 30 où il ne s'est rien passé dans notre Sauberry. Je suis désolée, YouTube. Donc, on a notre Sunset qui a du bide, hein, qui a faim. Mais d'ailleurs, toi, je vais te foutre à la douche avant. Le train de chou, le train. Non, pour l'instant, il veut pas venir. Et on a Fox qui s'est levé également. Il est trop mignon. Donc, bah lui, je laisse faire sa life. Souvenez-vous, là, je crois que la semaine dernière... C'était il y a 2 semaines, je sais plus, c'était le bordel. Hein. C'était, je les laissais à leur propre envie de faire ce qu'ils voulaient et c'était devenu n'importe quoi. Bah, il faudra quand même manger des brownies. Lui, il va manger ses graissins. Son graissin. Oh la vache. Il a une façon de bouffer, lui, c'est dégueulasse quand même. Je viens de rentrer du boulot, j'ai eu la notification. Ah, bah voilà. Bah, on vient de voir, je commence tout juste. Pas de soucis, c'est nana. Porti quoi. Voilà, et donc on est mardi, il va être 7h, ça va aller à l'école, tout ça. Elle a... J'allais dire, j'ai découvert un nouveau bug, ça y est, alors la mise à jour c'était hier, et elle peut déjà en train de bugger. Et toi, Bichette, tu vas te lever aussi? Tu vas aller me faire un pipi? Lui, il va aller manger aussi. Allez. Allez, tout le monde va bouffer. De toute façon, la dernière fois, on a fait plein de bouffe, là. Voilà, comme ça, tout le monde... Ah, putain. Je vais mettre ça, alors, parce que... Rends-moi mon clavier, si Anana. C'est ça. Voilà, toi, tu manges. Toi, tu vas aller aux toilettes. Parfait. Toi, tu vas manger. Et toi, tu vas manger également. Voilà. Papounet, il va venir manger aussi. Et Mamounette, elle va venir bouffer aussi. Allez, tout le monde au petit-déj, là. Alors, normalement, aujourd'hui, on devrait avoir automne. Qui devient ado? Sunset, c'est dans 6 jours et Fox dans 9. Donc, au moins, automne, celle qui ressemble à Sansa Stark, qui devrait devenir adolescente. Donc, on pourra voir le premier essai en termes féminins après avoir vu... Le petit Copper qui est devenu adolescent et lui a déjà été relooké. Hein. J'ai laissé sa même coupe de cheveux parce que je trouvais que ça lui allait bien. Voilà la tronche de notre premier fils. Premier prétendant au titre d'héritier pour la génération orange. Je propose une pétition pour envoyer Linette au four à pizza. Ah, à devoir la bouille d'automne. Bah pareil. Ah putain, comment elle bouffe. Comme une grosse dégueulasse. Regardez-moi ce look. Non mais, regardez-moi ce look incroyable. Incroyable, vous voyez, il a du blanc. Pourquoi pas? Parce que si je mets du noir, ça va faire trop Halloween. Bon, c'est le mois d'Halloween, mais quand même. Le violet qui fait référence à sa mère. Et elle est superbe, parce que c'est juste pour les chaussures. Incroyable chaussure Moschino, hein, orange pétant dégueulasse. Voilà, donc il est orange, mais plus blanc qu'orange.
Bravo Fox! Terminez les machins de trucs mûches. Alors, ils vont faire tout de suite connaissance avec des futurs amis. Parce que il va falloir les caser tous à un moment donné, ces gosses. Hein. Et les meufs et les keufs dans le RER. Voilà, elles vont enfin à l'école et on aura la paix! Sinon, si tu t'ennuies, tu sais que tu peux faire la vaisselle. Faire des conneries là sur internet. Et toi, tu peux aller te laver. Voilà. Bah, si, tu vas te laver. Moi, je te le dis. Tu pues. On dirait les Doc Martens, les chaussures de copain. Bah, c'est un petit peu ça. Généralement, je vais avoir une seule paire de jumeaux. Non, une seule paire. Donc, deux enfants jumeaux. Jumeaux. Stressé. Tu fais un plaisir avec cette avant. C'est ça. Oh, les amoureux qui font pipi en même temps. Elle a rencontré Christian. Bah toi, tu vas te casser. Sachant qu'on a plus de bambins. Quel pied. Oh, quel pied. Qu'est-ce qu'elle a. Tu vas te détendre, wesh. Tu vas te calmer. Allez, tu te calmes. Et Copper a rencontré Lisa, mon dieu. Je crois qu'elle vaut pas le coup. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, loulou? Je t'entends faire des schmurts là derrière. Ouais. Pourquoi pas? Ils sont meilleurs amis. J'ai envie de dire. Essayer de participer. Allez, je vais ranger les graissins là. Si on va attendre patiemment que tout ce petit monde aille taffer. Elle va taffer aujourd'hui, elle? Ouais. Oh, ça va aller vite. Quoi? Qui ça? Qui c'est qui est mort? Ah, empathie. Allez. On va faire de l'empathie aujourd'hui. Voilà. Rencontrer Samuel et Dan part travailler. Et Dan va travailler dur. Et il nous reste... Ah, saleté. Ah, les factures! Toi, déjà, tu vas pas boire ton truc de marde. Tu vas me payer les factures. Je déteste cette coupure. Non, tu vas pas ranger. Je me suis trompée. Les factures, au bout d'un jour, je ne m'y habitue pas. Mais t'as une assiette, là, dégueulasse? Elle fait le ménage. Oh punaise! La pauvre Elsa! La coupe de cheveux. Eh, j'espère qu'ils vont la modifier, hein, cette coupe, hein, parce qu'elle est affreuse. Hein. Je t'ai dit de faire ça. T'es bouché ou t'es... T'es vitrière. Les gros seins, le dégré seins. Ah, pourquoi pas! Et merci, Sweetie, pour le follow. Bienvenue à toi. Voilà. Ah oui, elle travaille à 17h! Ah, on va se faire chier avec elle autant de temps? Écoute, moi je la laisse faire ça, là. Enfin, tant pis. Copper a rencontré Jérôme! Alors, pour les possibles. La future génération orange, comment la sélectionner? J'ai eu un commentaire sur YouTube qui me disait justement de faire effectivement. Des bagarres, comme on avait fait pour la génération rouge, vu leur futur tempérament, qui seront malveillants, ils seront dans la carrière criminelle et tout. Qu'est-ce qu'elle fait à bouffer, elle? Ragoût de légumes. D'accord, ok. Je préfère ça que les gâteaux. C'est peut-être les nouveaux gâteaux. Hein. Peut-être quand il va y avoir des tonnes de gâteaux qui vont être faits. Ah, juste pour elle! Ah bah bien sûr! Pas du tout égoïste, la meuf. Ragoût de légumes. Légumes cuits à la cocotte. Ouais, pas mal, pas mal. Moi, j'en veux bien. Et donc, faire des matchs. Donc, ce serait Copper contre Autumn et Sunset contre Fox. Et les deux gagnants se fighteraient ensemble. Je pense que c'est une bonne idée. Puisque pour le Notsoberry, on essaye de pas faire des votes. En fait, des votes classiques avec lequel que vous préférez. Mais plutôt une compétition entre les enfants. Je trouve ça pas mal. Merci de me faire bonheur. Là, en fait, j'écoute en boucle dans ma voiture. Je sais plus qui l'a pris, Benoît, tourne-toi. Je sais plus. Je sais plus. Je l'ai eu aussi dans la tête plusieurs jours, alors que je l'avais pas écouté depuis des années.
Je me tiens droite, merci Paulinette. Et je rentre le ventre. Bon ben, Georgette, tu fais ce que tu veux. Est-ce que tu veux tricoter? Quoi? Ne peuvent pas tricoter dans une chaise associée à un autre objet. Oh là, c'est difficile la vie, hein, dis donc. Objet tricoté. Non, objet vêtement. Tricoter des pulls. Alors, on va tricoter du... Bah, ça. Parce que... pour notre futur fils, qui aura besoin de se... Ils sont déjà autour de l'école. On n'a rien vu passer de la journée. Oh, la vente! Comment tu vas? Vous allez vous présenter à votre tati, quand même? Elle s'était pas présentée la semaine dernière? Tu pues, Copper. Juste un peu. Juste un petit peu. Oh la vache! Par contre, j'avais pas vu que c'était ouvert à ce point dans le dos, parce que avec le poids qu'elle a pris, c'est pas forcément joli. Je teste des trucs avec mes poings, je ne comprends rien. Oh, mais si. Ah oui, t'as débloqué la mousse. C'est bien ça. Et alors, on avait vu que la Vande était mariée. Elle est mariée maintenant. Et on n'a pas regardé ce qu'elle avait pondu. Oh là là, Prune est devenue vieille. Oh, elle a une petite fille qui s'appelle Charlotte. Voilà. Et Lavande a eu un petit garçon qui s'appelle Thomas et qui est blond. Alors que ben son mec Maël Montfort. Alors pourquoi tu t'appelles Vaughan? Attendez, elle a. Alors elle est. Tout va bien, c'est complètement normal dans les Sims. Lavande est mariée avec cette chose affreuse, parce qu'on l'a vu nous dans le CAS, il est dégueulasse. Mais. C'est pas avec lui qu'elle a fait un gosse, donc c'est une bonne nouvelle. Elle a fait un gosse avec Maël Montfort. J'ai envie de dire pourquoi pas, moi. C'est un peu n'importe quoi dans cette partie, moi, je vous le dis. Ah, mon chou, tu vas aller te doucher. Allez, je vais prendre ça. Alors, dans son aspiration, on en était où? On était bloqué, on avait réussi à faire tout ce qu'on pouvait, parce que maintenant il faut juste qu'il devienne adulte et rejoigne la carrière criminelle. Donc pour l'instant, on peut pas faire grand chose pour le petit Copper. Enfin, le petit Copper, grand Copper maintenant. Mais bon, voilà. Reste pas sous la pluie, Jean-Claude. Allez, vous allez me faire vos devoirs là. Les gosses. Allez hop. Ils vont faire ça, bien sûr, directement par terre, devant la maison. Tandis que Lavande fait ce qu'elle veut, c'est-à-dire fait le ménage. Et toi, tu taffes bientôt, toi. Tu auras fini ton pull, j'espère. J'essaie la pub, mais en rupture de stock. Eh oui! Refais-lui un oubou à la Lavande avec son mari. T'es sûr? Parce que tu sais quelle tête il a? Il est dégueulasse. Elle se prend pour Arthur ou quoi? Bah écoute, elle a exploré plusieurs horizons. Arthur, queer. C'est comme Arthur dans Legacy. D'ailleurs, rejoignez-nous sur Twitch, on est sympa. Et les lives sont trop drôles. C'est vrai que dans notre Legacy, que je fais que sur Twitch, on a un des enfants qui n'a pas été héritier. Donc et bah, il nous a fait 4 gosses, mais pas avec sa femme. Sa pauvre femme. Non. Je m'emmerde à les caser pour qu'au final ils copulent, mais pas avec leur épouse, n'importe quoi. Charlie, faudrait que tu le mettes dans les sons à acheter avec les bis. Tu... Oui? Oui, c'est possible, c'est possible. Mais ça veut dire qu'il y aurait toujours à chaque fois Arthur Couillère plus Chantal qui parle derrière, ça serait peut-être beaucoup. Faut qu'elle aille au taf, allez. Tu vas faire arrêter ça. Allez Lila, tu t'enclenches la deuxième, là, ça y est. Eh ben lui, il se fait à bouffer, tranquille. Est-ce que tu en fais que pour toi ou pour tout le monde? Non, que pour lui. Bah tu manges. Mais oui, si est-il possible avec la carte Kiwi. L'enfant de moins de 16 ans et tout ce qui l'accompagne jusqu'à 4 personnes payent tous moitié prix.
Faudrait que. Ouais, mais ça va être peut-être redondant le Arthur Queer quand même. C'est juste pour ça. Mais elle, je lui ai dit de faire ses devoirs. Elle dort. Ah, elle les a déjà fait. C'est merveilleux. Mais Autonne. Autonne, tu ne ressembles pas à celle que tu ressembles. Serais-tu intelligente? Plus que Sansa? Oh la vache. Hop, elle travaille dur, parfait. Les gosses sont laissés à l'abandon. Un beau gosse! Qu'est-ce que tu. Oh ouais, les Pokémon! Super. Regarde les Pokémon. Ok, elle a fini. Et elle parle dans le vent. Tu te fous de ma gueule, toi? Il y a déjà 15 000 plats. Tu prends des restes? Oh là là, ma soeur, elle va dedans. Ta soeur, elle fait que bouffer. Regarde comment elle est grosse. Comme moi. Allez, prends des restes. En garde, d'espèces de vielpes et dégarnies. Visage avec des larmes de joie. Suçon, lave-autel, cœur. Suçon, lave-autel, cœur, coccinelle. Merci, madame J. Je suis première amie de la pire. Oh là là, Marie. Marie, c'est une fille à mamie. Elle n'est pas encore mamie elle-même, mais elle a une passion pour les mamies et les papis. Bon, on se fait chier un peu, non? Oh, on va être en accéléré. Hein. Tout ce que je veux, c'est voir Autonne. Parce que pour l'instant, on peut pas faire grand-chose en vrai. Alors, formation supplémentaire. Est-ce qu'on fait la formation ou on l'offre à un collègue pour notre petite Lila? Vous allez me dire qu'on va la faire. Ça me semble logique. Moi, on m'offre une formation, je la donne pas, hein, je la fais moi-même. 2 pour faire la formation. 3. 4. 5. C'est un full. Hop, allez, go! Gain de performance moyen. Ouais, je suis en x3. Hein. Pff, voilà. Elle va nous taper une promotion? Genre, mais non, parce que. Il a pas mis l'hanneton. Visage effrayé, la coccinelle et l'hanneton s'y est-il à base, mais faut faire attention de pas les arroser et les écraser. Visage qui pleure. Il a pas mis l'hanneton. Ah, de. Elle a pas parlé. Elle a pas dit le truc. Ils font tous leur live. Qu'est-ce que c'est moche, orange, quand même. Je tiens à le dire. Toi, tu vas y bouffer aussi, Jacqueline. Là. Exactement, va bouffer. Non, et toi, tu vas y prendre un bain aussi, tu vas faire un truc. Ah, 216 simflous pour Lila. On va lui partir se coucher. Allez! Bah rentre, Jacqueline! Elle fait le ménage. Ah! Je t'ai dit faire le ménage. T'inquiète, Autonne, elle va vite redevenir responsable. T'inquiète. Voilà, t'as vu. Enfin, si, elle est pas compatible, mais tu lui fais faire les devoirs une fois et c'est bon. Hein. Allez, il est 1 h du matin, tu vas te coucher. Toi, arrête tes conneries. La pauvre Lila qui est... Elle était auto-tunée à mort, elle, parce que. Parce qu'elle n'arrivait plus à dormir correctement dans son lit, donc on a dû lui acheter des traits pour qu'elle puisse dormir. Voilà. On lui a acheté. Ah bah, professorale, d'accord. Aspiration connaissance. Elle est petite dormeuse, plein de trucs. Lila, elle est pimpée à mort. Elle va coucher, va. C'est bien hein, en x3. Hein. Il s'en passe des choses. Hein. Mais non, parce qu'après, on peut rien faire. Zer, là, j'ai fini à gêner Prune. C'est bien son anniversaire de Dan. Oh, il va devenir vieux. Oui, il va devenir un vieux papy. Oh, quelle horreur. Déjà. Bon, au moins, comme ça, il crèvera. On pourra faire autre chose. Non, tu vas pas y voir ton père qui est en train de pisser, s'il te plaît. Tu vas pas me faire ce plaisir.
Parce que en gros, là, comme on est bloqué sur la gênée orange, à part lui faire travailler sa pâtisserie et son charisme. Oui, c'est ça. C'est dur la vie, hein. Ouais, tu pourras y aller maintenant. Et toi, je t'avais demandé de prendre un bain. Voilà, tu l'avais pas fait, hein, petit con. C'est un petit con. T'as pas fini de bouffer. Ouh, je vous jure, je vais les prendre par les pieds, je vais les éviscérer, ces Sims. Je vous suis demain, prépare ma journée de demain en même temps. Pas de soucis. Bientôt un vieux crouton. Ah ouais, un vieux dégueulasse tout. Alors profitez-en parce que le beau mâle là avec les abdos et tout, ça va être fini après. Ah, un gros machin qui pivote comme ça là. Oh mon dos. Oh. On les connaît les vieux dans les Sims. Hein. Mais prends un bain. Ils vont déjà tous en cours. Bah comme ça, dès qu'on aura l'anniversaire de la petite, on pourra s'occuper d'elle. Pas de soucis, petite dragonne. Ah, la coupure d'eau! La fameuse coupure d'eau que nous avons en 12 heures. Comme ça, mes Sims, ils vont bien puer le frometon d'entre les doigts de pied. C'est merveilleux. Tu travailles pas, toi. Putain, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a Lila qui travaille pas de la journée. Écoute, tu vas reprendre ton tricot. Non, reprendre le tricot. Tu vas retricoter. Allez, vas-y. Je vais profiter d'elle pour qu'elle fasse du tricot. Bon, d'accord, elle n'en veut pas. Pourquoi? Mais viens ici! Gourdasse! Tu vas pas. Hé! Mais quoi? Assis-toi dessus, Gourdasse! Toujours de l'amour envers les Sims, moi. Prendre, allez. Vas-y, tu me saoules. Allez, dégage. Fais ta life, je m'en fous. Voilà, on va regarder ce que fait Lila. Sans qu'on l'a. Moi, voilà. Merci, petite dragon. Oui, attention au petit, parce que tits, c'est pas accordé, vu que ça veut dire sein en anglais. Il leur faut pas grand chose, hein, aux Américains. Et pourquoi elle est tout le temps en nuisette, celle-ci? Oh, bah, parce qu'elle est un petit peu exhibe sur les bords, je pense. Sunset a rencontré Nicolas. Il a l'air sympa, détends-toi. Eh bah, écoute, tu répares? Alors, qu'est-ce que tu m'as ramené? Oh bah dis donc, ça a pas l'air terrible, ça. C'est vraiment, vraiment pas terrible. Ah, oh, les yeux marrons. Allez, ça dégage. Ah, mais y a rien qui va, quoi. Le look, la gueule, les cheveux. Ah! Quelle horreur! Eh, tu rentres, tu vas bouffer. Toi, tu vas... Vous faites votre vie. Ouais, c'est ça. Allez. Il y a un petit peu la file d'attente devant le frigo. Effectivement, il reste pas coincé devant le frigo pour manger. C'est un vrai. Bravo. Bravo les Sims. Pour une fois qu'une mise à jour fait vraiment ce qu'ils disent et ce qu'elle doit faire. Oh, ils sont tout mignons tous les quatre! Oh! La couleur de cheveux de Ponyta. Ah, bah alors là. Je sais que j'aimais bien Ponyta, mais je sais plus vraiment pourquoi. Ça me faisait penser à une licorne, donc tu veux dire que j'ai des cheveux de licorne? Je suis d'accord, ça me plaît beaucoup. Ouais, mais j'ai pas envie de lui faire la guitare, on s'en fout, en vrai, on a déjà fini sa génération. Je peux m'en passer. Allez, Autumn, quand est-ce que tu grandis? Qu'on te fasse devenir la vraie Tug. C'est un joli Pokémon, quoi qu'il en soit. Ah oui, non, mais moi je crois que j'aimais bien, mais je suis pas une fan et je connais pas beaucoup de Pokémon. Ouais, tu as joué au docteur.
Ah bah d'accord. Ah bah super. Et lui regarde la télé. Tout en jouant avec son truc, il va se foutre dans l'œil, bien sûr. C'est tellement con, ces gosses. Que... Et c'est au moment où je dis ça ou... Il le fait pas. Oh là là, quel stress. Il joue et il regarde la télé, mais ça lui suffit pas. Et elle? Je lui ai dit de faire le ménage, vous croyez qu'elle l'a fait? Ok, je sais plus quoi faire de sa vie. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas d'eau. On a ça, hein. On a ça dans le jardin, pour avoir de l'eau. Ça sert à rien. On peut même pas en prendre une petite. Et tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller courir. Pour te vider l'esprit. Allez, vas-y. Fais du bien. Toi, tu te laveras pour quelque chose quand on aura de l'eau. Pou, pou, pou! Elle joue, c'est bon. Elle mange des petits pois. Et elle commence à puer. Ah, mais c'est vrai qu'ils peuvent se laver dans le jardin, mais pas les gosses. Ouais. Allez, va te divertir, mon chouchou, là. Toi, par contre, quand tu reviendras, tu te laveras. Ah, mais les ados, ils peuvent pas se laver sous l'eau? C'est quoi, cette arnaque? Il y a que les adultes. Bon, non, c'est pas drôle! Mais va bouffer, toi, fais quelque chose de ta vie, un peu, non? Problème, là. Ah voilà, comme ça ils puent tous, hein. Vous avez remarqué? Ils commencent à tous puer des aisselles là, ça va être beau. Alors Dan, t'as plus envie de faire des gâteaux? Ça y est, c'est fini? Qu'est-ce que tu fais à genoux? Eh, regarde la télé. Ah bah oui, c'est plus confort comme ça, hein. Ça arrive. C'est que la télé genoux sur le parquet, c'est vachement plus confort. Triqué dans le... Et je... Une fois, je te traite de Magikarp. Bah t'as raison, il devient un Léviator derrière. Bon, ça me dérange pas. Avec nos Pokémon, vous me perdez à bientôt dans ma génération. Mais moi non, mais tu sais que Pauline, moi j'ai appris, alors j'en connais vraiment à la limite que la première génération, grâce à Pokémon Go. Hein. J'avais jamais touché aux Pokémon avant. Et je m'en foutais royal. Surtout que Dorothée avec Jeanne et Serge et toute la clique. Alors, Jeanne et Serge, pareil, j'ai jamais regardé. Elle, tu peux aller aux toilettes aussi, c'est pas interdit. Voilà, tu réagis même pas, espèce de nounours, va. Tiens, dans ta gueule. Ouais, t'as vu comment je suis beau gosse. On va poster ça sur Insta. Tiens, saleté. Prends dans ta tronche. Saleté de gamin. T'es merde. Eh, ça y est, tu peux être lavé. Allez, go. Prends une douche. Et toi, arrête de jouer dans les chiottes. Tu vas voir ton frère tout nu, là. On va manger. Qui c'est qui puait aussi? C'est elle. Hop, un bas. Oh, j'ai faim, moi aussi. Fichtre. C'est vrai que c'est intéressant comme programme, vous voyez? Il y a encore personne. Bah, vas-y, coupe quand je serai en train de regarder. Il y a encore personne qui a fait sur YouTube la vidéo de je reproduis les chaînes télé des Sims 4 dans la vraie vie. Bah, sur la chaîne enfant, il me faudrait pas mal de costumes. Puis me dédoubler et tout. Ouais, ce serait compliqué quand même. Bah, je garde le copyright, c'est moi qui ai eu l'idée. Moi je suis allée au club Dorothée. Comment ça t'es allée au club Dorothée? Il faisait ça en public? Fichtre. Diantre. Bientôt. Ah, j'ai oublié les devoirs, dis donc. Tu sais pas quoi faire de ta vie, toi. Elle a mis où ses devoirs, cette gueule?
Gourdasse. Mince. Ah non, pas le hockey, hein, ça suffit. Hein. Pourquoi elle a pas ses devoirs? Parce qu'elle va les faire! Je suis un peu con sur les bords, moi, des fois. Toi, pareil, devoir. Je m'en fous que tu sois fatigué. Les devoirs. Les devoirs avant tout! Et toi aussi. Hop, allez! C'est les devoirs partis, là. Et lui, il est déjà en train de dormir, là. Mais va bouffer aussi, Gordo. Va. Franchement. Et tu vas te calmer, toi. Elle est tellement belle, là. Pff, incroyable. Il y a du public. Ah ouais. C'était l'époque. Avaler Sidonie. Barspa, Avaler Sidonie. Blows Oh, Savar, Avaler Sidonie. Mouche. C'était déjà porno à ton époque, le matin? Ça va? Bah lui, tu vois, il commence déjà à manger ses gâteaux. S'il sait qu'il va devenir vieux, donc il sera tout gâteau et tout flasque du bide, un peu comme moi. Du coup, ben, il se met déjà à bouffer du gâteau, histoire de... manger, toi aussi. Oh! Ils sont mignons. Bah, tu peux jouer aussi, hein. C'est pas interdit, hein, les jeux, hein. Parce qu'avec l'école et tout, après, ils vont me casser les pieds. Ils sont déjà en train de dormir. Et lui... Ouais, écoutez. Ah bah, minuit en même temps, oui. Tire à dormir. Mais t'as joué 30 secondes, idiote. Ça y est, je sens que les gamins, ils veulent plus. Et après, tire à te coucher. Lila! Tu veux toujours pas tricoter? Ah non, parce qu'il faut pas que tu sois... Qu'est-ce qu'elle fait? Manger gâteau. Tu manges là? Elle est belle, Lila. Beauty. Une beauté. Qu'elle dort. Est-ce que lui, il doit toujours atteindre le niveau 8 de charisme? Mais bon, grâce à lui, on gagne des sous, quoi. Salut, Elodidi, comment tu vas? Ah, c'était des oies. Ouais. J'aime bien le pull de l'ado. Ah, Copper. Non mais moi j'avais pas compris que tu voulais parler de l'adolescent. J'avais juste vu LADO, j'ai dit c'est quoi l'ado? Je pensais que tu parlais d'autre chose. Allez, go, va te coucher. Bah, pareil, hein, tu peux faire le ménage. Voilà. Et est-ce qu'elle voudra refaire du tricot? Eh non, elle veut pas. Alors, et là? Ah bah là, elle veut bien. C'est vrai que le canapé, c'est fait pour tricoter. Ah, son pull, c'est à université. Donc à la fac. Je crois, si j'ai pas dit de conneries. Ouais, projet tricot terminé. Elle est revenue à s'emmerder avec le tricot, non? Ajouter la garde-robe. Non, elle est contente du tricot. Oh, pauvre biche. Elle va te coucher, voilà, ça me fera des vacances. Elle est pas fatiguée, hein, mais le temps passera plus vite. Ouais! Premier épisode de Game of Thrones ce soir. La mère va se coucher, c'est déjà... les gosses ils sont déjà debout.
Surtout toi. Va te laver. Quand on est bien élevé, Monsieur Fox... Ah bah c'est parti, il est parti. Tout le monde est parti, j'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai rien pu faire, tout le monde est parti à l'école. En plus ou moins bon état, et bah c'est leur problème, ils se démerderont, hein. Moi je m'en fous. Hein. Hop, tu vas y aller. Elle travaille pas encore une fois. On a reçu une amende. Oh bah pour changer. Tu peux jeter, hein. C'est pas interdit par la loi. Hein. C'est pour qui? C'est pour Fox? Ah oh, zut hein. Sunset, Sunset, révolution de conflit, allez. Sunset a rencontré Gabriel. Oh. C'est chiant. Hein. Là, tu vas te faire des amis. Tu vas te faire des amis. Tu vas te faire des amis. Voilà, ça c'est fait. Pour travailler, il va travailler dur. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Tu rentres chez toi, tu vas aux toilettes, tu manges et tu sociales. Voilà. Oh Thierry. Oh punaise, la pauvre petite Manon, elle a l'air d'avoir froid. Ou alors c'est une fille d'alien. On ne sait pas. Ah ouais, la famille a faim. Bah ouais, mais ils mangent que des gâteaux ou des trucs qui nourrissent pas, donc c'est normal. Ça, t'as rencontré Hugo. Eh, hey, Louis et Karine, est-ce que c'est du beau, des bons bétails, ça? Cet affreux bonnet que Fox porte. C'est ça? Ah, bah je suis désolée, mon petit. Ou ma petite. Louis Robert, bah non merci. On n'en veut pas. C'est dommage. Alors, automne, est-ce que c'est ton anniversaire? Oh, oui, oui. Yes. Alors, toi, bah, tu vas me faire un gâteau. Préparer des pâtisseries. Non, tu vas me faire plutôt un gâteau. La 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 la. Cuisiner. Cuisiner, cuisinons. Gâteau au chocolat. Allez, c'est y part. Mais toi, on t'a dit non, en fait. Tu peux te barrer. C'est l'anniversaire d'automne. Et toi, au lieu d'emmerder ton fils, tu vas faire un événement social. Et on va inviter les tatis. Ça, ça fera un peu la famille. Je me demande ce qu'il va mettre dedans. Hein. Parce que vu qu'il rigole comme ça, fête d'anniversaire, on va faire l'anniversaire de automne et on va inviter Fox, Sunset Copper, Prune, Lavande. Oh Yann, le cousin, il est devenu vieux aussi, il n'y a pas grand monde. Hein. On a un peu perdu du tout toute la famille. Hein. Résidence Rainbow. Elle est trop belle. C'est rare de voir des enfants Sims châtains. Lui? Oh bon? Oh cette dégaine. Magnifique. C'est elle, on va te faire l'empathie. Thor.
voir cette petite personne. Les yeux bleus, ça peut être intéressant ça. Alors, tu vas. En plus, il m'a foutu en l'air le gâtal. Allez, tu vas éteindre. Allez! Non, mais moi je réagis même plus parce que de toute façon, les incendies, j'ai l'impression que je vais toujours en avoir. Je fais la miniature. Un anniversaire du feu de Dieu. Regardez le beau gosse! Eh! Je sais pas comment prendre le. Ouais, voilà. Ou alors elle qui est en panique. Ou lui qui est en panique. j'en ai marre des incendies. On appelle pas les pompiers, ça sert à rien. Et hop, 2700. Rien que ça. Oui, en cours d'utilisation. Oui, mais j'ai besoin d'un gâtal en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'a fait. On s'en fout. Allez, on va mettre les bougies sur le gâteau dégueulasse. Allez, voilà, ça coûte cher, hein. Oh la vache! J'en ai marre. Salut, comment tu vas? Tu salues? Tiens, tu fais quoi au bout comme boulot en fait? Et salut toi, salut, voilà, on va dire bonjour quand même. Ça peut être intéressant. Voilà, on va dire bonjour à tout ça. Ah, attendez, il y a un enfant qui se balade ici. Qu'est-ce que c'est déjà? C'est une fille? C'est une fille. Yeux verts, on valide. Quoi? J'essaie de me renseigner, non? Pas mal! Cellus morticus! Ah, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Alors, prune! Ah, la vache! Ah, la pauvre! Elle est dégueulasse! Pauvre prunette! Mais qu'est... Bah Lilo! Mais Lilo! Ah bah oui! Ah bah... Avant ce bagarre juste pour le délire, pour se faire plaisir, quoi! Bah bien sûr! Bon allez, on s'en fout. Viens fêter ton anniversaire, toi, viens souffler les boujaks. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Oui, papa est pas là, on s'en fout. Nous, on veut l'anniversaire. On veut voir à quoi elle va ressembler. Ah! C'est the moment, quoi. Parce que là, ça commence à devenir craignos, un peu, tout ça. Regardez comme elle est mignonne. Happy birthday, automne. Ouf, il va faire du sport. Oh là là, la coupe de tricot, énorme. Oh, elle a l'air chouchou. Elle a l'air mignonne. Alors, automne a vieilli. Donc, c'est quoi déjà qu'il faut mettre? Je ne sais plus. Alors, aspiration ennemi public. Ennemi public, malveillant, sûr de lui. Glouton, elle a déjà glouton. Elle va avoir le sûr de lui. Comme ça, je pense que ça se combine bien. Oh, ça va! Voilà, là. Voilà la coupe de fois à la relooker évidemment hein. Vous
savez bien que je laisse rarement mes Sims comme ça. Pour l'instant, elle a peut-être le nez ou la bouche trop près du nez. Enfin bref, ils essaient de faire des enfants tous les deux. Mais elle a l'air mignonne quand même, hein. Je te souhaite bon app, personne ne veut du gâteau. Non. Non, t'as raison. Mets des bougies, puis on va les recycler comme ça. Salut Eris, comment tu vas? Elle a l'air toute mimi et toute jolie. Bah ouais, c'est la petite coupe de cheveux de Kitty Foreman, ça lui va bien. Ah, c'est sa télé qui fait ce bruit? Mais elle regarde le film alors, ouais. Qu'est-ce que t'as, toi? Oh là 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 là, incroyable. Incroyable d'avoir déjà deux adolescents. Ouais, un petit looking. Elle est mignonne. Elle tient de sa maman. Elle tient de sa maman, je suis contente. Je suis contente. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi regarder le film et regarder le film. Alors, on va mettre tous les gamins devant la télé. Et vu qu'elle avait besoin de parler à ses sœurs, bah, elle va parler à ses sœurs, quoi. Oh, prunette! Oh, la prou-prou! Qu'est-ce que tu fous dans les fougères, prunette? Allez, coincée dans la fougère! Oh, bah, c'est la vieillesse, hein. Elle sait plus, hein. Elle est sénile, donc voilà, hein. Dan a appris que Vincent avait les traits de caractère suivants méchants. Mais pourquoi tu parles avec lui, là? Mais il s'est aussi castagné, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que nous avons promouvoir la bagarre, mais bien sûr. C'est bien, alors c'est pour ça. Non mais oui, non mais on s'en fout en vrai. Rentre à la maison, t'as quelque chose à faire à la maison quoi. Tu vas regarder le film actuel aussi, tiens-toi. Oh la vache, ce bordel. Salut Valouchkaya, comment tu vas? À voir dans le CS de plus près. Oui, bien sûr. Tu attends qu'ils soient tous à vous avant de les faire combattre ou tu vas faire Copper Autumn avant? Eh ben, je ne sais pas. À toi de voir. À toi de voir. Pas qu'à toi, mais à vous de voir quoi, je voulais dire. Est-ce que vous voulez qu'on fasse en même temps, comme la bagarre est gratuite dans le quartier, on peut déjà les faire combattre tous les deux. Enfin, il faudrait que je les fasse au même niveau de fitness. Bon, ça va, y a pas grand chose. Hein. 7%. Comme ça, ils se castagneront déjà la gueule ensemble. Un petit round là, trois petits rounds et on verra qui s'en sort le mieux. Qui gagne, qui perd. Est-ce que genre ils peuvent se bagarrer comme ça dans Amical ou pas? Je sais pas, j'ai jamais eu la bagarre dans le quartier. Non, ça doit être dans ma liste. Méchant. Non. Comment on fait pour se battre? À part se détester, mais j'ai pas envie forcément qu'ils se détestent. Comment ça le fitness niveau 3? Non, il est au niveau 1. Il a 17%. Elle a pas de compétences, elle est nulle à chier elle, pour l'instant. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une armée. C'est des nouveaux. What the fuck? J'ai jamais vu ça, moi. C'est quoi ces effets qui se coulent là? C'est moi ou le pull donne un troisième boobs à Outon? Oh! Ah non, ça va. Elle a juste les seins très hauts, on est plus habitué. Enfin, moi en tout cas, je suis pas habitué. C'est pas compétence, on sait pas dire. Ouais, mais.
Ils peuvent pas se battre direct comme ça. Il faut qu'ils se détestent avant là, non? Ils peuvent pas se battre. Moi je vois pas. Est-ce que c'est qu'une fois adulte? Genre elle peut se battre avec sa sœur? Rompre avec. Mais t'es mariée avec lui et tu l'aimes pas? Tu le connais pas? Bah dis donc ma pauvre, c'est triste hein. Amical. Parce que en gros ils vont se battre random, j'ai l'impression hein, c'est... Je ne sais pas. Bah oui, normalement ils peuvent se battre, mais je veux dire, ils sont obligés du coup de s'asticoter, tu vois. Là, en fait, vu que t'as le plomb de quartier, donc ça devrait être bien, mais en fait, il faut qu'ils quand même se détestent avant de se battre. Salut Banner, comment tu vas? De faire leur bagarre avant. Ah bah oui, mais de toute façon, ils vont se battre l'un contre l'autre. Et de toute façon, après, il faudra attendre que ce soit Fox et Sunset qui soient aussi ados, donc... Ils vont encore regarder ça? Regardez le premier épisode de Étrange Things, c'est ça. Étrange Things, c'est aussi, hein. Oh là là, mais ces gamins, ils savent pas s'occuper. Ce look. Ah, mon écran s'est éteint. Mon écran s'est rallumé. Mais elle est gros, Sunset. Regardez-moi ce ventre. On va faire du sport. Super enfant catastrophe cortex, d'accord. Avant de te coucher, toi, tu me feras tes devoirs. Elle va bouffer un truc. Ah bah, féminin. Et on va mettre notre super gâteau au frigal. Snowshia, Fweezok, Hobina, Pomplur. Ouais, son social qui est remonté à fond, hein, tranquille. Elle est ballonnée, c'est ça, ouais, elle est ballonnée. Ouais. Moi aussi, je suis ballonnée. Sunset attend déjà un oubou. Ouais, c'est ça. Elle s'est fait un petit peu... C'est horrible. Elle s'est un petit peu fait engrosser, là. Elle est très précoce, comme fille. Ah, mon Dieu. Si, elle ressemble à sa mère. Un peu moins belle que sa mère. McDo surtout. Et oui, n'hésitez pas, avec le code Agent Shirley, vous pouvez payer au McDonald's. Le code promo Agent Shirley, vous paierez 15€ de plus par menu. De rien. Ballonnei. Toi aussi, tu veux regarder un film? Aide-le à ses devoirs, là, dans ce cas-là. Si tu te sens... Si tu te sens tellement imbattable. Mais ils savent pas se gérer, ces Sims. C'est incroyable, hein. Tu vas aller pisser. Et tu vas aller te divertir, je sais pas, moi. C'est infernal. Mais mange-toi! Oh, purée. L'enfer. Vous voulez claquer devant la télé? Ben, ils savent plus rien faire. Ils sont... Limite, ils vont se pisser dessus.
tout un programme. Gertrude, tu veux faire quoi? Va pisser. Tu feras tes devoirs après. Ça va, Lavande? Lavande! Bon alors, et elle grandit quand? Je veux savoir. Dans 3 jours! C'est bien ça. Bientôt? Code promo pour mourir rapidement du diabète. Ça passe pareil, ça, Jean Charlet. Ça marche sur tous les sites. Et par contre, ils finissent pas leur. Et les invités qui restent comme ça, là. Plantés. Déjà, tu vas te lever. Je t'avais demandé de pisser. Toi, tu vas te coucher maintenant. T'arrêtes avec ta mère, elle célèbre rien du tout, ta mère. Mais. Je t'ai. Il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule. De ma gueule. Il s'est fou des ma gueule. Avec les millions de gâteaux qu'on a. Ça va aller, Copper? Tu vas y arriver? Vous avez vu, c'est un rebelle, il est déjà tatoué, le gars. C'était horrible comme journée. On a passé 3 heures devant la télé, mais c'était nul. Elle raconte une histoire incroyable. Lui, il est parti se coucher sans bouffer, bien sûr, comme d'hab. C'est le fait, elle. Elle a pas mangé. Eh ! Un prédateur dans la chambre de ma fille. Casse-toi ! Oh bah tu te casses, je m'en fous si t'as envie de pisser, ça ne m'intéresse pas. Eh, va te coucher, Copper. Plus vite que ça. Oh là là, c'est pas bien, on mange que des desserts. Bah oui, bah... Dis ça à ton père qui en a cuisiné 15 000 de gâtal. Eh, tu peux bouffer. Bon, la vente, je suis désolée, hein, mais on va te faire partir parce qu'à un moment donné, je sens que tu vas mourir là sur notre parquet, dans la chambre. Ça va être chiant au bout d'un moment. Salut Rose Madeleine, comment tu vas? T'as mis la durée de tes Sims normal ou fait normal? C'est un challenge à faire sur normal, donc. Donc voilà. Il fait de quoi pour le coup? C'était l'anniversaire de Autumn qui est devenue adolescente. T'es frigorifié? J'ai acheté un plaid moi tout à l'heure. En fait j'en ai beaucoup trop chez moi, mais là il est tout moumouté, il est trop beau, il est tout doux et il est vert. Pour aller avec mon siège vert. Et j'avoue que je commence à avoir un peu froid, moi, ces derniers soirs. Mais je me refuse d'allumer le chauffage. Et oui, j'ai des lubies comme ça. Je me dis pas avant novembre, en général. Si j'ai froid, bah, je mets un pull, je mets un plaid. T'as encore ça, hein? Ah, bah, ah oui, tu vas... Ah oui, tiens, tu pourras astiquer. T'as aussi la douche à faire là-haut. Donc voilà, fais-toi plaisir. Ah, puis t'auras la poubelle à jeter aussi. Enfin, à vider. Elle en a marre de faire le ménage. Entre les paniers et les plaids, c'est ça. Ah, je suis allée. Non, bah justement, j'ai pas acheté de panier. Je l'ai acheté à Babou. Enfin, c'est Babou devenu BM. Hein. Ils se sont fait racheter ou je sais pas trop. Enfin, ça change de nom. C'est BM, mais bon, c'est Babou. Voilà, voilà. Et hop, va dormir. On prend les pieds. Ah, Fox. Bah tiens, tu peux aller manger. T'as pas fini de dormir. Petit con. Putain, mais arrêtez de vouloir célébrer. Il est déjà 8 h. Oupsie. Bon, ils iront quand ils se lèveront. Lui pue sa mère. Sunset est la première à y aller.
C'est une fille, une peut bien une bonne petite fille. Allez hop. Eh, tout le monde va en cours. Hop, Dan, lui aussi, il ira en cours. Ah, elle, aujourd'hui, elle va y bosser. C'est cool. Tu peux jeter aussi. Oh là là, t'en as aucun qui va bien. Soit parce qu'ils ont faim, ou soit parce qu'ils arrêtent pas de manger des desserts. Dans tous les cas, personne ne va bien. Ah, mais du coup, elle, je suis con, il va falloir qu'on commence son aspiration. Elle rentre des cours, je focus sur elle. Oh, un petit crac-crac, les amoureux, dans la douche. Allez, un petit crac-crac, là. Profitez que Dan, ils sont encore en... Ah bah non. Ah bah non. Qu'on va profiter que Dan soit encore en bon état, mais en fait... Tu vas prendre le brunch. Non, tu vas servir le brunch. Servir le brunch, une brouillade de petits déj. Comme ça, ils auront un vrai plat à avoir de bouffer des gâtelles. On s'en fout. On mettra personne chez nous. On fait les devoirs. Perte de performance, c'est pas grave. On te demande pas de briller à l'école. Du moment que tu y vas. Quoi? Copper, l'empathie. Allez. Il a reçu un lapin d'excellence. Mais c'est super! Peggy plus 16 annulé, comment ça? Alors tu vas avouer la vérité. Hop. C'est vrai qu'on n'a pas de musique dans cette maison. La vie passionnante de Lila. Je sais que c'est pas très intéressant. Mais dès que les enfants reviennent, je me focus un peu sur Auton. Et on va travailler sur sa... Sur sa... Son aspiration. Parce qu'elle a besoin de devenir une thug. Allez, vas-y, vous ramenez des copines et des copains à l'école. Termine la semaine avec un C de moyenne, bah bravo. Alors, tu peux venir prendre une douche. Et voilà, et puis après, si tu pouvais manger... Non, pas du gâteau, s'il te plaît, ta mère, elle a fait à bouffer. Ça, hop. Alors, qu'est-ce que vous nous avez ramené de beau? Un petit rouquin. Ah, le petit rouquin avec des beaux yeux, je valide. Ça, je valide, je valide, je valide. Tu vas pouvoir discuter avec lui, voilà. Et, ah, une jeune fille. Ma foi. Malgré ses yeux marrons, elle est plutôt mignonne. Peut-être que... Il pourrait la draguiller un petit peu. Histoire de se faire la main. T'en jamais. Vous êtes mort? C'est juste pas intéressant ce qui se passe. Ah, je suis allée voir un autre médecin aujourd'hui, c'était mon ancien travail. Bah, franchement, c'est le jour et la nuit. Là. Ah, c'est bien, tant mieux. Je suis contente pour toi, Madame J. C'est mieux. Elle peut mettre des lentilles. Ah, il s'est fait recaler direct. T'es trop rentre dedans, mon petit. Faut y aller plus rapidement. Oh, regarde comment tu t'es fait. Même rembrouer par ta mère. Rabroué. Rembrouer. Présentation polie. Attendez, c'est Fox qui est là. Mais écoute, Fox, fais ta vie aussi, mec. À un moment donné, ça suffit. T'as pas fini ta douche, toi? Oh là là! C'est quoi ces fringues? Ah bah ouais, elle a vu ses fringues, elle a fait « Mais qu'est-ce que c'est que ce look ?» Je te confirme. Ça va pas du tout cette histoire. Je sais, mais je suis en train de rénover une maison, j'écoute juste. Bon bah voilà. Vous écoutez ou vous regardez? C'est différent. Ouais, Momo?
T'as vu ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils écoutent, seulement ils regardent pas. Je pourrais me foutre toute nue, ils le verraient pas. Allez, dépêche-toi, Jacqueline! La vache! Oh bah ça, ils font tout en même temps. Qu'est-ce que tu fais, toi? Mais bouffe! T'asseoir là-bas pour bouffer. Oh, elle est malveillante comme lui. Incroyable. Incroyable, cette jeune fille a le même tempérament que lui. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Sympa avec elle. Répandre du rumeur sur le fait de faire crac crac. Ah bon? C'est-à-dire quel genre de rumeur? Je suis curieuse. Elle a une voix de garçon. C'est peut-être un garçon en fait. Je sais pas. Écoutez. Si elle veut parler. Et mon bébé. On peut plus parler. Bon bah tant pis. Bon t'as bouffé toi, ça y est. Alors, ça y est. On va enfin pouvoir s'attaquer à son truc. Réaliser 10 interactions malveillantes ou malicieuses et être peu apprécié par 2 Sims. Qu'est-ce que c'est de tous ces vélos qui se baladent là? Alors mon petit Nicolas Berry, je suis désolée. Tu fais partie de notre première vie. Oh là, oh, c'est quoi cette tête? Non. Ah puis alors les sourcils et tout, qu'est-ce que c'est ça? Laurent Thirion. Ouais bah il est triste pour changer. Eh bien! Tu as des quelqu'un à agresser. Alors, c'est bien, on commence bien. Tu vas le pousser. Tu vas l'insulter. Tu vas lui crier dessus. Finalement, il garde encore le sourire. C'est que le début, mon petit. Agent 21 mousse, agent 21 mousse, agent 21 mousse. Mousse bien. Ah oui, d'accord, j'avais pas. Et vas-y, tu te défoules là. Tu lui jettes une boisson aussi. De toute façon, il est vieux. Il est vieux. Ah non, il est adulte. Ça va, ça va durer un peu plus longtemps du coup. On est à 6. On est déjà peu apprécié. Vous imaginez la gamine qui sort dehors et qui agresse les gens là, sans aucune raison. Moi ça me fait rigoler, ça me fait rigoler hein. Moi je rigolâtre hein. Allez, dès que t'as fait tes 10 interactions, t'as même pas besoin d'ailleurs, parce qu'on est prochaine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien être notre... Ah! Un petit rouquin, Vincent Arc-en-Ciel, allez. Se moquer de la gêne, elle était direct. Il est gêné. Voilà, on a déjà fait nos interactions malicieuses. C'est très bien. La thug. La thug du quartier. Oh, les rainbows, c'est n'importe quoi. Hein. Est-ce que c'est un nouveau bug? Après, les filles ont des voix d'hommes et les hommes ont une voix de fille. Oh, la chance d'une vie! Le passage sur scène de Lila est bientôt terminé et elle voit l'artiste suivant attendre aux coulisses. Alors qu'elle est sur le point de poser son micro, elle remarque un homme en costume qui s'assoit au fond de la salle, loin du reste du public. Au lieu de commander à boire, il sort un carnet et semble vouloir prendre des notes. Pourrait-il s'agir d'un agent à la recherche du Maurice Prometteur? Est-ce que c'est Gad Elmaleh qui copie tes blagues? Lila n'a que quelques secondes pour choisir entre faire preuve d'égoïsme en faisant un rappel ou céder le micro à l'artiste suivant. Que va faire Lila?
Est-ce qu'elle fait un rappel et en augmentera sa notoriété et obtiendra une promotion? Ou est-ce qu'on cède la place sur scène? Que fait-on dans le chat? On fait un rappel, c'est une unanimité sur le chat. Rien à foutre de l'autre. Allez, on va donner une chance à Gad Elmaleh de voler nos blagues en plus. Vedette débutante et promue humoriste peut demander. Ta ta ti ta ta. Parfait. Alors, tu vas. Ah, pardon, excuse-moi, tu vas enchaîner avec lui quand même. Tu vas lui. Voilà. Tu vas lui jeter une boisson et tout ça. Tenter sa chance. Revigorée, Lila a continué son spectacle. Le public a adoré ses sketchs et a largement montré son enthousiasme. Il était tout simplement conquis, euphorique. Lila s'est révélée et a fait la meilleure performance de toute sa vie. En retournant dans les loges, elle avait presque oublié l'homme en costume, mais quelqu'un toquant à sa porte l'a ramené à la réalité. C'était l'homme en costume. C'était pas donc Gad Elmaleh, donc c'est une bonne nouvelle. Qui était bien un agent à la recherche de talent. D'un rapide mouvement de main, il lui a donné sa carte de visite et une chance de vraiment percer dans le milieu. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu vas continuer à l'insulter parce que vu sa tronche, de toute façon, il mérite que ça. Écris-tu. Garza, genre, elle se fait hurler dessus et elle se demande pourquoi. Tu sais. Vas-y. Mais arrête avec lui! Lui, on l'a déjà fait! C'est le roux là qu'il faut que t'agresses! Eh! Hey. Et du coup, lui, il est parti se dormir. Ça va. C'est pas non plus la grande amie, mais bon. Cra la gueule qu'il fait. Ben voilà! Étape terminée! Il faut juste en choisir d'autres. Alors lui, on l'a fait. Non, c'est bon, tu peux continuer. Être peu apprécié par 4 Sims, on est déjà à 2 sur 4. Alors, il nous faut deux autres petits cobayes, s'il vous plaît. S'il vous plaise. Est-ce qu'il y en a ici? Ah! C'est qui celui-là? Ah, c'est Marc! C'est... Attendez, c'est un ado. C'est le fils, là, de... C'est le fils de Quasimodo. Alors, Quasimodo, c'était celui qui vivait chez Adonis. Adonis, le père de Lila. Et oui, ça remonte. Hein. Son frère est l'éteur de quartier. C'est ça. T'as raison, va juste roule jusqu'à notre fille pour qu'elle puisse t'agresser dans toute tranquillité. En tout cas, il s'est bien reproduit. Et il est bien moche, son fils. Allez, tu vas insulter. Tu vas le dénigrer. Tu vas lui crier dessus. Mais dégage, toi, on a fini avec toi. Dégage, fous le camp. S'il est bienveillant, ils sont encore agressés dans la rue, lui, c'est pas ta bonne journée, mon petit. Il a de la répartie. Hein. Mais il est moche. Oui, le petit, il regardait le spectacle. Ah! Vous aussi, quand on vous insulte, parce que moi, je me suis fait insulter il n'y a pas si longtemps que ça, vous étiez, moi, j'étais comme ça. Ah, mon Dieu! Bon, bah, voilà. La bagarre! C'est la bagarre! Des bisous, Sianana! La famille que des sales gosses, ben c'est malheureusement leur aspiration, donc. Et en plus, elle lui a ratamé la tronche. La réputation est maintenant mauvaise.
Ah oh bah je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah elle saute d'humeur. Ah bah dis donc. Alors qui c'est qui pourrait être notre prochain cobaye? Oh madame. En plus avec un look comme le vôtre. Amélie Stewart. C'est une adolescente. Oh qu'un bon looking. Ça pourrait le faire, un sacré looking hein. Putain. Il y a du... Sortez-moi les bistouris et puis la truelle, parce que là, elle est tombée. Hein. Ça fait mal, hein. Hein, loulou? Ah, ça fait mal, maman, elle a dit. J'espère qu'ils ont fait... Ils se sont... Putain, mais... Ils font que de la merde, hein. Ils font que de la merde. Et lui, il est en train de jouer dans une... Tu te lèves? Toi, tu te lèves. Ok. Alors, tu vas la pousser. La dénigrer. Et crier dessus. Oh, carrément, elle lui monte le poing et tout, tu sais. Je me souviens pas avoir vu ça, déjà. Regardez. Après, elle sera relookée, donc elle ressemblera plus à ça, mais c'est rigolo. Et celui-là, tu l'as vu, hein? Ça, c'est tous ceux qui mettent des dislikes. Hein? Je rigole. J'ai vos noms, hein, de toute façon. Donc, je sais très bien qui... Voilà. Se battre! Tu vas repousser. Bah voilà! On en a au même point que son frère. Tu pourras rentrer, du coup. Voilà, voilà, on a avancé un petit peu sur l'aspiration de mademoiselle. Par la maman. Ça aussi, on l'avait vu. Salut Top Gun, comment tu vas? Bah ouais, bah rentre chez toi là. Allez. Et rentre chez toi, Gaston là. Oh là là. Et il continue à bouffer des gâteaux, mais j'en peux plus. Qui c'est qui a commencé à manger qui a pas fini? Toi, tu te relèves, tu viens manger. Ton yaourt et ton muesli. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ok. Toi, si tu t'ennuies, déjà, tu peux regarder la télé. Et puis après, tu feras tes devoirs. Ouais, il est 23h. Oui. Ah bah, il les a déjà fait. J'ai rien dit. Je vais le débugger parce que le petit... Hop. Est-ce qu'il avait le truc hein, qui était là encore, célébrer sa mère, là, je sais pas quoi. Alors, non, tu... S'il te plaît, regarde la chaîne. Tu vas te divertir un petit peu. Elle finit de manger ça. Elle fera ses devoirs. Ouais, pas fait. Toi, tu vas faire tes devoirs. On y arrive. Juste en maladie. Aïe! Bon, j'espère que c'est pas trop grave. La meuf, elle pleure et elle insulte les passants. C'est ça. Bah, en fait, ça peut arriver. T'imagines, t'es... Bon, faut être un peu fou aussi. Mais t'es très, très triste parce qu'il t'arrive que... T'as que des soucis dans ta vie. Et puis, tu vois les gens qui arrivent, qui passent dans la rue et qui ont l'air heureux, plus heureux que toi. Tu fais, ouais, c'est ça, ouais, connasse. Voilà. Voilà. Ça peut arriver. J'ai cru entendre, s'il te plaît, garde la chienne. Regarde la chienne. Non. Non. Pas encore. Viens là, Moumoune. Viens te dire bonjour à maman. Ah, maman. Coucou. Moi, c'est Dex. J'allais dire Tyrion. Je connais même plus le nom de mes loulous. Moi, je suis Dex. Et j'ai faim. Oula, non, t'énerve pas. Dex qui adore me charpucuter les mains. Oh, regarde comme t'es beau. Tu dis bonjour à YouTube aussi? Bonjour YouTube! Bonjour Twitch! Et bonjour YouTube! T'as faim, Blue? Je sais que t'as faim. Voilà, c'était. J'ai réussi à le choper, c'est déjà bien. Ce monsieur, il aime pas se faire choper. Hein, loulou? Il tourne tout le temps autour de ma chaise, mais. Pas plus, hein. Ben oui, c'est Doudou. Ben mon cœur.
Mais là, il va réclamer à manger. Donc, je lui donnerai après la fin de Tsoberry, de l'enregistrement. Puis après, on ira relooker la petite automne, hein, bien sûr. On a 1h20 de live. Parce que là, on va être samedi dans le jeu. Est-ce qu'on fait le samedi? Ouais, allez. Comme ça, la semaine prochaine, il nous restera moins de temps. Avant que Sunset grandisse, on sera bien. Je sens meilleur des fesses. Bah bravo. Et Tyrion est sur son coussin et puis il est comme ça et puis il regarde. Ma titi. Oh oui. Tu viens dire bonjour. Tu viens dire bonjour, titi. Oh, tu sais, la tronche qu'il fait. Mais regarde avec ses petits yeux, là. Qu'est-ce qu'il a? Bah lui aussi, c'est castanier. Mais t'es avec qui? Ah mais c'est des thugs, c'est la famille thug. Je sais que c'est la bagarre des quartiers qui a fait ça, mais... Mais je ne savais pas. Alors toi, tu vas aller te coucher directement, Mignon. Elle est partie dormir. Lui, il fait ses devoirs et après, il dort. Lui, pendant ce temps-là, parce qu'il pouvait pas dormir parce que sa sœur était assise sur son lit. Donc, bah, la bagarre est déjà partie. Alors, je sais pas avec qui il s'est battu, mais... Pourquoi pas. La famille des casse-couilles. Ah bah, écoute, Moi, je fais participer tous mes enfants à mon challenge, tu vois. Parce que sinon... C'est facile si tu te dis, bon bah j'en choisis qu'un et je me concentre que sur un. Non, bah non, on va les faire tous avancer. Ils vont se battre les uns contre les autres et puis on ne sait pas qui gagnera. Ça peut être un garçon ou une fille vu qu'on a deux chaque. C'est ça qui est bien. On aura peut-être un héritier mâle. On ne sait pas. Bon, bien sûr, si l'un des quatre est vraiment dégueulasse au niveau physique, un peu comme Prune. On le mettra pas dans l'équation, on le vira, on dira non, bah finalement. Mais elle travaille encore. Coucou, j'ai un bug. Elle est pas au boulot, hein. C'est pas grave. Ok, elle a... C'est bien. C'est bien, Lila, c'est bien. Tu pourras aller aux toilettes. Ah, tu peux plus aller aux toilettes maintenant. Tu seras... Voilà, on va éteindre ça. Et puis, tu iras te coucher. Comme ça, ça passera plus vite. C'est bien aussi. Une soirée mousse dans la douche et qu'est-ce que la petite Navi, c'est bientôt l'anniversaire de Sunset. Je vois le rayon vert maintenant et l'horizon me tient tête. J'ai voulu revenir plus souvent. Ouais, je connais pas les paroles donc je fais des. Et le jour va bientôt se montrer. J'arrête de chanter. Sert à rien. Je ne sais pas chanter. Quand il s'est levé, je me suis dit, c'est vrai que c'est bientôt son anniversaire à lui. Voilà! Dan est vieux. Dan est un vieux grabou gris qui pue du cul, qui pue du zizi. Oups, c'est ça. C'est exactement ça. Ah, t'as pris rendez-vous pour la sorcériser? Pauvre Pichette. Elle aura jamais de bébé. J'ai failli m'en étouffer. Non, mais... ça force d'aller vite, hein. Au final, ben, on va tellement vite que... Attends, Dan, parce que nous, on veut voir si t'es encore bien gaulé ou pas. Ça va? En vrai, pour un vieux, ça va? Eh ben, écoute, va manger, hein. Va manger. Ah, les autres, on va attendre qu'ils se lèvent et qu'ils fassent leur vie, hein, parce que là.
Après, la semaine prochaine, ce sera Sunset de grandir. Une semaine, un enfant qui grandit en ado. Voilà. Moi, j'ai envie de dire. Et la semaine prochaine, on fera du coup la baston entre eux deux. Si ça vous va, on fera ça la semaine prochaine. Première présélection des futurs héritiers, possibles héritiers de la génération Orange. Ça va à te bouffer ton temps du gâteau, toi? Elle, c'est l'hygiène. Bah, tu manges et après, tu iras te laver. Lui, il a besoin de manger aussi. Prendre des restes. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Ça me va. Ah bah tant mieux. Tant mieux. Ça. Elle reçoit des gouttes alors elle se barre. Tout à l'heure elle buvait dans mon verre d'eau. Oh bichette. Qu'est-ce que c'est que ce look. Elle va manger. Oh là là. C'est tellement bien de les voir aller s'asseoir pour manger. C'est incroyable. Comme si on n'avait jamais vu ça de notre vie quoi. Toi, t'as fini de bouffer, Bah, tu vas prendre une douche parce que je vois que ton frère est. Voilà. Douche! Et lui, ça va. Oh là, ça se fait des mamours là! Bah alors, Lila, t'as encore envie de ce vieux. Ce vieux? Bah, ça y est, la télé, elle a cassé. Oh, la télé, elle a cassé! Oh! Qui c'est qui a cassé la télé? Elle va pas pouvoir le remplacer. Merde, j'ai remplacé au lieu de réparer, je voulais réparer. C'est pas grave. On a un peu de sous devant nous, c'est pas encore incroyable, mais ça va. Comment il a regardé son père. Oh mon papa, c'est le plus beau des papas. Un moment. Et ta maman, c'est la plus belle des mamans, doudou. Je sais pas. Il fait des câlins, il tourne sur le tapis. J'ai faim, maman. J'ai faim. Tu as faim, mon petit chapeau. Tyrion, il le mate, genre. Oui, bah, pour l'instant, tout est calme. N'inquiétez pas que dès que je vais aller dans la cuisine, ils vont tous s'énerver. Hein. Bon, alors, aujourd'hui, que fait-on? Est-ce qu'on va aller voir? On va peut-être aller voir les cousins-cousines. Donc, j'attends que tout le monde soit un peu remonté dans le verre. Bah, nickel, en fait. Il y a juste Dan qui doit aller pisser. Bah écoute, tu vas y aller maintenant. Et on va aller voir les sœurs. Les sœurs lavande et prune pour aller voir. Ça ne s'est grandi dans un jour. Deux encore pour l'instant. Dans deux jours, on sera la semaine prochaine. Cette coupe de cheveux. Ça vous appréciez sa bouille. Sachant que la semaine prochaine pour YouTube, évidemment, vous aurez le relooking. Nous, on va le faire juste après. Ah, Tinkwell. Alors, on va augmenter ton empathie. Ah non, mais... Oh, j'en ai marre. Allez, on va aller chez les sœurs. Qui habite, je crois, encore Windenburg. Je ne sais plus, en fait. Si. Alors, on va aller voir là. Les gosses. Ça suffit. Tyrion. Je vais te choper. Hein. Dex, il s'était réfugié sous ma chaise. Il a confiance. Hein. Il a confiance dans le confort et la... De cette chaise. C'est genre, elle est dure la chaise. Elle va résister au poids de maman. Je peux me mettre en dessous. Il a pas peur de mourir écrasé, non? Alors, c'est un peu le bordel dans la maison, il me semble. Tu vas frapper à la porte. J'avais. La photo de Pulcote! Attendez. Regardez! C'est bizarre parce que.
c'était la maison qu'elle vivait avant. Hein. Tout le monde vivait là avant. Enfin, Lila a grandi ici. Hein. Mais bon. C'est exactement, c'est dans l'état. Il est où l'enfant? Nous, on vient pour l'enfant, en vrai. Faire connaissance avec... Ah, il est là! C'est quoi, déjà? C'est une fille. Eh, présentation amusante. Vous allez tous vous présenter à votre cousine, qui est une petite bambinette. Ah oh, bah, elle est... Ah bah, elle est comme chez elle, Lila. Hein. Elle a vécu ici, hein. Donc, elle se dit, bah, moi, attends, je suis dans ma maison. La maison de mes parents? Bah, je vais bouffer, hein. Je me sers dans le frigo, rien à foutre. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Et je viens, le décès du respect, c'est quoi déjà? Ah oh, bah. C'est quel sexe? Je crois que la malédiction s'est poursuivie avec Prune. Cette petite a les yeux de sa mère. Elle est mignonne. Mais elle a la malédiction. Elle a la guigne, cette gosse. Pourquoi il y a un tas d'ordures qui est là en plein milieu? Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas celui qui habitait à côté de chez Lila dans l'appartement? Je suis plus sûre. Enfin, bref, donc je voulais regarder Pulcott. Sachant que Pulcott, je n'ai plus son... On n'a pas sa tombe, hein, donc... Mais en fait, c'est bizarre que ça s'affiche parce que chez... quand Lila l'avait, le truc, ça s'affichait pas. Ouais, je sais pas. Comme ils sont beaux, regardez. La génération orange dans toute sa splendeur. Mais vous avez pas dit bonjour déjà à Prune? C'est une blague. Il y avait de l'argent ici. Hein. On avait de l'argent. Ah, il fait à manger. Fais voir un peu. Ah bah, il a eu des... Ah mais attendez, je sais plus. Elle l'a eu avec lui ou pas, le gosse? Parce que lui, il a des beaux yeux, hein. Il a des yeux bleus. Et re, Paulinette. Donc c'est vraiment les gènes de Prune qui ont pourri sa fille, quoi. C'est triste. Hein. Attends! Gamine, là, que je te clique dessus. Tu t'es même pas présenté. Salut, cousine. Salut, cousine. On se verra sans doute plus jamais, mais en plus, tu t'entends pas avec elle. Qu'est-ce que t'as dit bonjour et elle t'envoie bouler, quoi. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Il s'entend pas avec sa petite cousine. C'est normal en Russie. Qu'est-ce qu'elle a, elle est toute enjouleuse là? Ah, moi je l'ai fait parler avec tout le monde. Hein. Par contre, ce serait cool aussi que tu te présentes à lui parce que c'est ton beau-frère. Bah, tu le connais déjà, d'accord? Pourquoi pas? Elle est mignonne la choupette quand même. Et salut Nikadesh, comment tu vas? J'arrive pas à mettre la vidéo. Ah, zut. Je lance mon jeu Sims, s'ils me disent mode désactivé, je les réactive. Éteins. Mais je relance, ils me disent... Est-ce que tu as bien fait appliquer? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont eu ce problème, j'ai l'impression. Faut que tu les activer, appliquer et redémarrer. Moi, j'ai pas de problème, hein. J'ai redémarré après avoir appliqué et machin, et tout va bien. Moi, tout va bien. Oh.
La petite cousine. Waya, Nucci Quenoho. Moi aussi j'ai ce problème là, je ne savais pas comment faire. Mais c'est à chaque mise à jour, ils sont désactivés de toute façon. Tous, tout le temps. Sauf qu'à l'époque, moi ça m'est arrivé une fois que j'avais genre quelques CC et je n'ai jamais pu les retrouver parce qu'en fait, il y a eu une mise à jour et je savais pas que ça se désactivait et tout, je savais plus comment les remettre. Du coup j'étais resté avec des CC dans mon jeu que j'avais jamais utilisé pendant très longtemps. Je attends que je vois en fait que c'était tout con et j'ai fait ah. Du coup maintenant ça va, je sais. Il avait pas fini son déj, non mais lui. N'importe quoi. Tu viens dire bonjour? Reste pas longtemps Tyrion. Tu veux dire bonjour aux abonnés. Ah, ok. Donc Doudou il continue à faire ses allers-retours sur le tapis. J'ai compris Lou, hein. Bon, moi tu mangeras bien quand je te donnerai. Allez, on va bouger, on va aller voir l'autre sœur. Alors là c'est le cousin, hein. C'est donc la branche de chez Mini qui habite là. Perle habitait ici. Il n'y a plus personne qui habite là. L'autre sœur, c'est donc Lavande. Je ne sais pas où elle habite. Je ne sais pas où elle habite. Bah, on va faire taper tous les terrains. Hein. Non, c'est pas là que je voulais aller. Elle habite peut-être pas très loin. Hein. Joli. Ok, pas ici. Ah, il commence à avoir des terrains qui se libèrent, donc vous pourrez toujours me faire des familles, n'hésitez pas. Hein. À partager avec le Not So Shirley. Ah, il y a des aliens dans le coin. Parce que je vois qu'il y a des maisons libres, alors... N'hésitez pas. Avec des ados, des enfants, ou même des jeunes adultes. Des frères, des sœurs, des couples, des vieux, des vieux. Où habites-tu, Lavande? Déjà? La vache. Des bisous, Madame J, bonne nuit à toi. Ah! Bon, bah, elle a pas de maison. La pauvre Lavande n'a pas de maison. Elle habite à Newcrest, mais elle est dans la rue. Ah, oh, perc. Faut savoir se séparer de votre télé, les gens, des fois. Je dis ça. Bon, parce que moi, ça fait je sais pas combien d'années que je regarde plus la télé. Ça va faire 3 ans. Oh, elle est devenue vieille aussi! Oh, quelle horreur! Qu'est-ce que c'est que ça? Elodie Grisou. Justine Grisou. Et ça, c'est quoi? Léa Grisou. Ah, alors vous allez voir le mari de Lavande. Vous allez comprendre pourquoi je disais que Burke. Voilà. Non, c'est pas une déformation de l'écran. Non. Ouais, déjà levé à 5h demain. Allez, bisous sur vos petits agents 21 QQ. Je serais même peut-être même pas encore endormie à cette heure-là. Bonne nuit à toi, des bisous. Le mari moche, non, tu crois? Il a juste fait un petit peu de Botox. Voilà, donc elle n'a pas fait cet enfant avec lui, et c'est bien mieux comme ça. Parler du temps ensoleillé, se renseigner comment faire crac-crac. Vous voyez, hein, ils sont en couple, hein, ils font des bisous et tout, ils sont amoureux. Tiens, toi tu pourras te présenter à cette chose, au cas où. Et ils ont eu un petit gars. Bah non, parce que elle a eu un petit gars avec un autre mec. Oh, un petit gars blond aux yeux bleus. Oh. Il a une tête bizarre quand même, hein. J'ai peur. Il a une tête bizarre ou c'est juste... non, ça va. Enfin, je sais pas.
une réputation extraordinaire pour Lila. Quand tu vois ce que font leurs ces gosses, c'est triste à mourir. Ah ouais, d'accord. Il est content, lui. Il voit qu'il y a Lila et il est super content. Bon, bah c'est fini, Lila, elle peut plus enfanter. Quelle tristesse. Non! Je lui ai fait rentrer à la maison. J'étais pas sûr. Viens parler. Soul! Tu connais même pas ta tati? Quel enfer. Tu peux enlacer. Bah, enlacer tendrement. Ouais. Hop, vous faites tous connaissance avec vos cousins. Eux, ils sont quatre et les deux autres, elles ont pondu qu'un seul gosse. Ah bah non, Lila, non. Enfin, pour l'instant, elle pourrait encore engendrer, mais j'ai pas envie qu'elle engendre. Il lui reste 6 jours avant de devenir une vieille peau. Pourquoi tu peux pas lui parler? Mais what the fuck? Il y a Pourquoi il y a des fois on peut pas faire des trucs là? C'est débile. C'est le bordel. Ça dit bonjour à ce petit. Dis bonjour au petit. On verra bien comment ils grandissent. Un new crest. Regardez quelle belle maison pour la génération rose. C'est une maison que j'ai faite, ça. C'est SP Build sur la chaîne. Ça, pour être colorée, elle est colorée. Ça s'appelle la maison colorée, d'ailleurs. Voilà. Pour aller visiter. Quand je vois ça, des fois, je me dis que je me suis améliorée quand même en petit... Bayababa. Ça aussi. Entièrement jeu de base. C'est sur la chaîne, c'est sur la galerie. C'est le manoir feuillu. Voilà. Et il est bien rempli. Hein. Il y a pas mal de chambres. Là, je suis dans la salle de bain, c'est normal. Là, je suis sous les escaliers. Une chambre. Ah, je fais la visite. Là, le couloir. Une chambre. Une autre chambre. Voilà, voilà. Pas mal de choses. Ça, c'est la blanche et dorée. Ah non, c'est la bleue. Petite, voilà, on s'en fout. Bon, c'est bon, on a fait connaissance. Allez, on rentre. Pas de logique dans ce jeu, elles n'étaient pas jumelles à la base. Si, mais elle a eu 4 grossesses, Lila, alors que l'avant n'en a eu qu'une. Et dis-toi qu'à chaque grossesse, la femme rajeunit. Donc 4 x 3, ce c'est 3 jours de grossesse, sauf si tu ne fais pas le test de grossesse. Ça fait 4 jours. Et pendant autant de grossesses x 3 ou x 4, eh ben, tu ne vieillis pas. Ah, lavande, oui, lavande a eu. Ouais, elle est trop vieille maintenant. Mais c'est bien le jeu. On a fini par les marier et leur faire avoir un enfant sans que moi j'intervienne. Parce que. Voilà. Toi, j'ai envie de te faire aller faire du sport là. Elle va courir. Oh, finesse. Oh, c'est quoi? Comment elle est habillée? J'en peux plus. Jean! Pas plus. Toi, tu vas venir. Tu vas me faire à bouffer. On va te faire faire de la pâtisserie. Pâtisserie. Une tourte au poisson. Allez, tu vas me faire du pain. Sunset. Ben, c'est bien. Ok. Et lui, qu'est-ce qu'il veut? Lui, il doit pisser. Ben, tu vas aller là-haut pour pisser. Voilà, et t'espongeras ça. Regardez-moi cette dégaine. Incroyable. Incroyablement belle.
Si ça pouvait être vrai dans la vie, j'aurais 2 ans de moins. Ok, merci le jeu qui bug. C'est cool. Avec le MCC, j'ai activé le vieillissement pendant la grossesse, comme ça, ça me décale. Oui, je sais, ouais. Des fois, je me dis que je devrais le faire, par exemple. Mais bon, ça serait pas pareil, parce que ceux qui ne l'ont pas et tout, par exemple, dans l'Ordre des Lady. Je n'ai pas désactivé parce que je me suis dit que ça ferait trop de différence, les gens ils comprendraient pas et tout. Pourquoi ma Petronie elle a eu 5 grossesses et au final elle vieillit en même temps et tout ça. Donc finalement je laisse. Tu viens Titi? J'ai failli l'attraper. Hein. Oh le vieux! Ça va? Tu fais ton pain? Tu t'es encore arrêté en pleine course, toi, je te vois. Hein. Tu cours encore alors, hein. M'en fous, moi. Toi, tu peux aller pisser du coup. Les deux sont en train de se doucher, ouais. Oh là là, qu'est-ce que tu fais avec ton jouet? Je t'ai vu hein, le taper par terre là. Espèce de folle dingo. Et lui, il retape sur le nounours. Mais va manger. T'as fait du pain. Et médiocre. Ouais, mais ça se mange. Donc ça va. Au final. Arrête avec ton verre d'eau, toi. Et arrête avec ton verre d'eau ou je te le fais avaler le verre avec. Oh. Hop, tu me jettes ça. Et puis après, on va aller coucher et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Du bon pain médiocre. Miam, miam, miam. Allez, dépêchez-vous là. J'en ai marre de voir vos tronches. Mais viens bouffer toi. Oh tu me saoules. Bah Lila. Ça me fait triper. Ils ont Ah bah les 4 gars sont partis. Et elle a rien respecté. Bah, va faire ça avant de te coucher, qu'elle est con. Ils savent plus gérer leurs besoins ou quoi? Ou c'est une nouvelle lubie là? Ça m'a pété les chutes. Genre ils doivent pisser ça, c'est leur race mais ils vont aller dormir. Tu sais Jacqueline, il y a encore d'autres assiettes en fait. Oh. Et tant que tu manges, hein, depuis tout à l'heure, je t'ai dit de bouffer. Après, tu pourras te coucher. Un moumou ! Un moumou ! Tu viens dire au revoir, mon cœur ! Viens dire au revoir, maman. Enfin, pas à moi, mais... Ah, ma sœur, elle est vieille, maintenant ! Et ouais, t'es la seule qui est encore belle et bien gaulée, dit. Ouais. Comme quoi, la maternité, ça conserve. Et tu... Non. Ah bah, si, oui, tu peux te téléporter, j'ai oublié. Et tu vas nettoyer le sol. Incroyable. Mais où est Lila? Mais dans la cuisine, voyons. Bah, on dirait qu'il est moisi le pain, parce qu'en fait, il est médiocre. Qui c'est qui vient dans... Viens, maman. J'ai 2 chats. Il n'y en a pas un qui me fait des câlins. J'ai de la chance, hein. Mais si ça conserve ou pas. Allez Lila. Oh non, elle a encore. Elle a aussi la faim. Tu me prends une portion et tu vas te coucher. Allez, dépêche-toi. Quoi? Christian Mercier. Bah. C'est le mari de Prune. On est allé le voir, ça la salle. Il a dit. Oh non, si il commence à venir chez moi, je préfère encore crever. Donc il est mort. Allez.
C'est là-dessus que j'enregistre et on se retrouvera la semaine prochaine pour la suite du Notsoberry avec notamment l'anniversaire de Sunset. Automne, on va la relooker tout de suite sur Twitch, donc du coup, vous l'aurez le relooké. Moi, je vous remercie YouTube de m'avoir regardé. Je vous fais des très gros bisous à la semaine prochaine. Et puis voilà! Ciao!